Coucou toi! Comment ça va en ce moment? Et bienvenue à toi si tu arrives sur ma chaîne, l'ami. On se retrouve sur ma nouvelle île dédiée exclusivement à la création d'idées déco. Non, non, je n'ai pas reset. J'ai enfin acheté une nouvelle Switch avec un nouveau jeu rien que pour vous. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je ferais des moodboards, c'est-à-dire des petits aménagements sur le thème de l'automne dans cette vidéo. Mais, oh grand mais! J'ai tellement été inspirée que faire des petites décos toutes simples à la va-vite m'était impossible. Je ferai donc plusieurs vidéos avec des créations d'automne, sinon en une seule, elle aurait duré 3 heures. Il faut aussi dire que j'adore toutes ces belles couleurs d'automne et surtout les citrouilles. Donc tiens-toi prêt car ça arrive la semaine prochaine. Pour cette semaine, on va célébrer Halloween qui arrive dans quelques jours. On part aujourd'hui sur une création assez monochrome pour réaliser une maison hantée. Si tu n'as pas peur des fantômes, alors prépare ton déguisement. On va aller y faire un tour pour réclamer des bonbons. C'est parti! Thank you.
Voilà les copains, aucune raison d'avoir peur. Si tu as trouvé cette idée de maison hantée trop choupie, hop, clique sur le petit pouce bleu. Et si tu aimes mes folles créations, abonne-toi à ma chaîne. Dans ce cas-là, pas de sort mais plein d'amour pour toi. Prochaine vidéo, on partira sur une création pleine de magie. Halloween rime aussi avec sorcellerie et quoi de mieux qu'un endroit caché dans la forêt pour pouvoir préparer potions et sortilèges en tout genre. En attendant, tu peux aller voir mon Instagram. Et si tu veux de la compagnie, je t'attends pour siroter un bon café viennois sur mes live Twitch. Je dois partir pour la cueillette des champignons. Je vous fais des bisous. Salut!